Falstaff, il n'insultera pas un vivant Robert Charlot, avocat. Du côté de Gloucester, juge de peine et gentilhomme, monsieur le pasteur, et qui s'est lui-même écuyé sur tous ses billets, autorisations, quittant sous contrat, écuyé. Oui, je fais cela, je l'ai fait sans cesse depuis 300 ans. Et tous ses descendants avant lui l'ont fait, et tous ses ancêtres après lui pourront le faire. Sir John Falstaff, vous a déshonoré, je suis homme d'église, et je serai heureux d'user de ma bonne volonté pour trouver entre vous un corps et compromis. Le conseil entendra mon affaire, c'est un scandale. Ce n'est pas un scandale, que veut entendre le conseil? Le conseil, voyez-vous, va entendre parler de la crainte de Dieu et non d'un scandale, réfléchissez à ça. Oh, sur ma vie, si j'étais encore jeune, je réglerais ça à l'épée. Oh, il vaut mieux que tes amis soient l'épée qui règle ça. Et j'ai en tête une autre idée qui peut-être aura de bonnes conséquences, voilà. Anne Pache, la fille de maître Georges Pache, est une belle virginité. Mademoiselle Anne Pache, elle a les cheveux bruns, elle parle doucement comme une femme. C'est elle-même. De tout l'univers, vous ne trouverez pas plus beau. Et son grand-père lui a laissé sur son lit de mort que Dieu lui donne une belle résurrection. 700 livres en or et en argent quand elle pourra atteindre ses 17 ans. Il serait judicieux d'abandonner nos brailleries, nos brouilleries, et de souhaiter un mariage entre maître Abraham Snender et demoiselle Anne Pache. Son grand-père lui a laissé 700 livres. Oui, et son père lui laisse un pactole bien plus beau. Je connais la jeune fille. Elle a de beaux talents. Ah, 700 livres et des espérances, voilà de beaux talents. Bien, allons voir l'honnête maître Pench. Hé, Falstaff est-il là? Ah, vous mentirais-je? Je déteste le menteur autant que celui qui est faux ou autant que celui qui n'est pas sincère. Oui, le chevalier John est là, mais je vous supplie de vous laisser quitter par vos amis. Je vais aller frapper à la porte de maître Pache et demander... Hola! Que Dieu bénisse votre maison! Et qui est là? La bénédiction de Dieu et votre ami et le juge Chalot et le jeune maître Snender qui peut-être vous contera une autre histoire si les choses vous siedent. Je suis ravi de vous voir en bonne santé, maître Chalot. Je vous remercie pour le gibier, je vous remercie. Oh, je suis heureux de vous voir, maître Pache. Quand bien vous fasse. J'aurais voulu que votre gibier soit meilleur, mais il a été mal tué. Et comment va cette bonne mistress Pache? Et je vous remercie toujours de tout cœur, oui, vraiment, de tout cœur. Je vous remercie, monsieur, je vous remercie. Monsieur, je vous remercie, oui, vrai. Ravi de vous voir, maître Slender. Maître Page, Falstaff est-il ici? Oui, monsieur. Et je voudrais d'ailleurs vous apporter à tous deux mes bons offices. Ah, voilà qui parlait en bon chrétien. Il m'a offensé, maître Page. Monsieur, d'une certaine façon, il l'avoue. Oui, si c'est avoué, ça n'est pas réparé, n'est-ce pas? Offensé, oui, il m'a offensé. C'est le mot. Robert Chalot, notable, dit avoir été offensé. Eh bien, maître Chalot, vous voulez vous plaindre de moi au roi? Chevalier, vous avez forcé mon pavillon, battu mes gens et tué mon cerf. Mais je n'ai pas baisé la fille de votre gardien. Je m'en moque, vous répondrez de cela. Mais j'en réponds tout de suite. Voilà qui a répondu. Maintenant, voilà qui a répondu. Le conseil le saura. Il vaudrait mieux pour vous que cela reste secret. On se moquera de vous. Peu de mots, Sir John, mais tout pour moi. Maître Slender, je vous ai malmené, qu'avez-vous contre moi? Oui, monsieur, j'ai beaucoup de choses envers vous. Et envers vos perfides crapules, Bardolph, ni mes pistolets qui m'ont fait boire et m'ont détroussé. Oh, je t'ai cru, je t'ai creusé. Oh, oui, c'est pas bon, bonnet. Du calme, je vous prie. Maintenant, voyons. Nous sommes trois arbitres à ce que je sais dans cette affaire. D'abord, maître Pache, c'est-à-dire maître Pache, ensuite moi-même, c'est-à-dire moi-même. Et dernièrement, pour finir et en dernier, mon hôte de la jarretière. Trois pour l'entendre et la trancher? Oui, très bien, je vais en faire un résumé dans mon carnet et ensuite nous examinerons l'affaire avec notre plus grande judiciosité. Bardolph, as-tu volé la bourse de maître Slender? Oui, elle l'a volée. 7 pièces d'or et 2 shillings, elle me les a pris. Patron, laissez-moi provoquer un duel, ce traîneur de sabre. Un mot pour nier ton caquetage. Crapaud, limace, tu mens. Par ce chapeau, c'est elle. Tu étais sûr de perdre tes 5 sciences. Oh, ces 5 sciences, mais quelle ignorance. Et ton noir, comme on dit, il s'est fait nettoyer, voilà tout. Oui, et vous avez parlé latin aussi. Mais qu'importe, tant que je vivrai, je ne boirai plus qu'avec ceux qui craignent Dieu, et non avec des ivrognes dépravés. Oh, par Jésus, voilà de vertueuses pensées. Vous entendez, messieurs, toutes ces accusations sont démenties, vous entendez toutes. Comment allez-vous, Miss Lasford? Ma foi, Mistress Ford, ravi de vous rencontrer, avec votre permission, Mistress. Non, non, ma fille. Remporte ce vin, nous le boirons à la maison. Au ciel, mademoiselle Anne Page. Venez, venez, messieurs. Entrez. J'espère que nous laisserons plus de rancune au fond du verre. Je donnerais bien 40 shillings
pour avoir avec moi mon livre de chansons et de poèmes. Alors venez, neveu, venez. Nous vous attendons. Hein. Ah, un mot, neveu. Voilà, il y a une offre, hein, une sorte d'offre, lancée par Evans. Me comprenez-vous? Oui, monsieur, je serai raisonnable. S'il en est ainsi, j'agirai suivant la raison. Oui, non, mais comprenez-moi bien. C'est ce que je fais, monsieur. Mais écoutez ces propositions, je vais vous expositionner la chose si vous en avez faculté. Je préfère faire comme le dit mon oncle Chalot. Pardonnez-moi, je vous prie, mais il est juge de paix dans son pays comme moi je respire. Mais il ne s'agit pas de cela, il s'agit de votre mariage. Oui, de votre mariage. Avec demoiselle Altache. Si l'on est ainsi, je l'épouserai au vu de demandes raisonnables. Oui, mais pouvez-vous amouracher la femme? Faites-le nous savoir par la bouche ou par vos lèvres, car selon certains philosophes, les lèvres font partie de la bouche. Aussi, au juste, pouvez-vous montrer votre désir à la jeune fille? Neveu Abraham Slender, pouvez-vous l'aimer? J'espère, monsieur, que je ferai comme il conviendra à quelqu'un de le faire avec raison. Mais par Dieu et toutes ces saintes! Faites-le nous savoir tout de suite, pouvez-vous lui montrer votre passion? Voilà, voulez-vous, avec une belle dot, l'épouser? Sur votre demande, mon oncle, et en toute occasion, je ferai des choses bien plus importantes encore. Mais oui, non, mais comprenez-moi bien, cher neveu. Cher neveu, je fais ça pour vous faire plaisir. Pouvez-vous aimer la jeune fille? Si vous me le demandez, je l'épouserai. Si au début ce n'est pas le grand amour, ça pourra, grâce au ciel, décroître avec une meilleure connaissance. Quand nous serons mariés, que nous aurons eu plus d'occasion de nous connaître. J'espère que l'intimité apportera plus d'aversion. Hein. Si vous me dites « épousez-la », je l'épouserai. J'en suis absolument dissolue et de tout cœur. Ah, voilà une réponse très réserve, sauf qu'il y a faute sur le vocable dissolu. Selon nous, c'est le mot résolu, mais l'intention est bonne. Oui, je crois que l'intention de mon neveu est parfaite. Bah, sinon, je veux bien être pendu. Oh, belle demoiselle, Anne-Pêche, que ne suis-je encore jeune pour l'amour de vous? Le dîner est servi. Mon père désire la compagnie de vos éminences. J'y cours, belle demoiselle. Ah, par Dieu, je ne veux pas manquer le bénéficité. Plairait-il à votre honneur d'entrer? Non, vraiment. Je vous remercie, mais je vais très bien. Le dîner vous attend, monsieur. Vraiment, je vous remercie, mais je n'ai pas faim. Je ne peux pas rentrer sans votre honneur. Ils vous attendent pour passer à table. Ma foi, je vous remercie, je ne veux rien manger. Je vous remercie comme si j'étais repu. Je vous en prie, monsieur, venez. Non, je préfère me promener ici. Je me suis blessé le tibia l'autre jour en jouant de l'épée et du poignard avec un maître d'armes. 3 bottes pour une volée de coups. Et je vous jure que depuis, je ne peux plus supporter l'odeur de la viande bouillie. Alors, cher maître Slender, venez, venez, nous vous attendons. Non, je ne veux rien manger, je vous remercie, monsieur. Mais par Dieu, Saint-Michel, venez, vous n'avez pas le choix. Je vous en prie, passez devant. Allons, monsieur. Mademoiselle Anne, passez la première. Oh non, monsieur, passez, je vous prie. Non, vraiment, je ne passerai pas le premier, vraiment, je ne vous ferai pas cet outrage. Je vous en prie, monsieur, venez. Je préfère être grossier qu'ennuyeux. Mais vraiment, vous vous faites injure, là, hein?